Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans le premier épisode de Mad Max. Donc, chers amis, dans cet épisode, nous allons faire quelques petites choses. Vous voyez qu'on est quand même assez efficace. La carte de Gutgash commence à s'éclaircir un petit peu, on va dire un petit peu pour le plaisir aussi. On va aller d'abord, avant d'aller faire le boss, j'ai envie d'aller chercher quelques petites choses. Plus qu'à les trouver par contre maintenant. Hop. Relique historique. Hop. Ferrailleur, ça pourrait être intéressant, mais c'est pas ça que je veux chercher d'abord. Ferrailleur aussi. Ferraille. Ah, palette de ferraille, bon c'est cool. Moi j'aimerais avoir, chers amis, alors où est-ce qu'on va le voir? Ah bah si, c'est peut-être ferrailleur que je cherche. Oui c'est ferrailleur, c'est pas nettoyeur, c'est ferrailleur. Donc voilà, on va essayer de se faire ferrailleur pour qu'il puisse nous donner donc un petit peu de ferraille. De toute façon on demande que ça hein. C'est-à-dire qu'en fait ferrailleur me permet d'avoir de la ferraille donc à certains moments du jeu, donc à certains après un certain cooldown on va dire. Donc j'aimerais le récupérer pour pouvoir rajouter ça et gagner toujours un peu plus de ferraille. Et ensuite on irait se faire élevage astico, non ça ne m'intéresse pas. Nettoyeur, il y a une carrosserie ici. Commencerait bien par une carrosserie. Alors j'ai vu la ferraille tout à l'heure, j'ai vu deux ferrailles. C'est ces deux là que je veux, celle-là et celle-là. D'accord. On va commencer par celle-là, chers amis. On va se déplacer rapidement ici. Et on va aller chercher cette ferraille. Ensuite, à la fin de l'épisode, on ira faire ce caïd. Il me semble que c'est un caïd. Voilà, yo les gens. Ça a pas l'air d'être la grande forme pour ce pauvre homme. Hein. À mon avis, il a pris un coup de chaud. Donc là, il y a une mission décharge qu'on ira refaire une autre fois. Là, l'objectif, c'est vraiment de faire le caïd et de commencer à avancer dans l'histoire. Donc là, c'est vraiment pour ça que je vais aller le plus vite possible. Forcément, ah non, je croyais qu'ils allaient dans mon sens. C'est parti. C'est à gauche. Hop. À droite, il y a un champ de mine. Et donc, une fois qu'on aura fini le caïd, chers amis, le prochain épisode, ce sera le champ de... Oh putain. Wouhou. On en est sorti vivant. Donc l'objectif, oui, le prochain épisode, ce sera de faire justement tous ces champs de mine. Blanchir la carte de Gutgash. Et on passera à l'histoire. Voilà. Donc on arrivera sur Pink. Pink Eye. Les gens, je suis là. Ne les tue pas. Hop. Bonjour. Bois. C'est pas du poison. Oh là là. Ah, je savais bien qu'il allait y avoir un défi à un moment ou à un autre. Parfait. Niveau 19. Je sais pas à quoi ça va nous servir le reste, mais bon, écoutez. On va pas s'en plaindre. C'est bon, on est bon au niveau... Oh, la map. Bah... Ah, la route s'arrête bientôt! C'est ça que t'es en train de me dire, la route s'arrête bientôt. Elle est belle ma voiture quand même, hein. Ah oui, la route s'arrête. Hop les. Personne dedans? Relique. Oh non. Oh. Oh, ça c'est dégueulasse. Ça c'était dégueulasse. Ah non, ça je supporte pas la vue de ce genre de conneries. Ah, Burke. Il se nourrissait les sacs. Je comprends mieux pourquoi la voiture était garée devant en fait. Ouh.
Salut Frangin, tu te souviens du type pendant notre dernière vadrouille? Ça, Charlie, il est toujours cloué au mur. J'ai déjà buté des tarés dans ma vie, mais cette merde est vraiment malsaine. Semperfi, Luxus. Lexus. C'est marqué Luxus, mais c'est bizarre. Ce qui était malsain est devenu bienveillant maintenant. Ça dépend. Ferrailleur 2 sur 3, parfait. Salut Chem. De toute façon, on va se re-TP. J'ai dit là. Et on avait dit aussi là. Là. Là, d'accord. Donc on se TP. Alors d'abord, on va mettre le point. Le point, ce sera là. Je pense qu'on enchaînera les deux ensuite. Hop. On ira de l'un à l'autre en voiture sans faire de TP. Et ensuite, on ira jusqu'au camp. Vous allez me dire, oui, mais il y a les nettoyeurs, mais je crois que les nettoyeurs, c'est deux pièces, donc du coup, on aura la deuxième aussi. On va vraiment faire d'une pierre deux coups, vous allez voir. Hop! Cet endroit, c'est vraiment un excellent... Enfin, vraiment un des meilleurs endroits pour voir qu'en fait, le jeu n'est pas juste du sable. Je sais pas ce que vous en pensez, regardez, il y a des cailloux partout, des couleurs, et même de la couleur, en fait. Regardez, là-bas, il y a du jaune, là, il y a du orange... C'est vraiment pas... Enfin, moi je suis désolé, je trouve que le jeu est vraiment... Mince. Et le jeu est vraiment bon, hein. Je comprends pas d'ailleurs qu'il soit aussi... Enfin, j'ai pu en parler avec un ami qui est vendeur de jeux vidéo, donc dans une boutique. Et le jeu est un véritable flop, hein. Le jeu est un véritable flop. Je ne comprends pas. L'univers est présent et il est bon à souhait. Bon, il y a quelques... Je reconnais qu'il y a quelques erreurs, hein. Par exemple les fameux caïds qui sont tous exactement pareils, excepté la couleur de peau. Bon, je vais bien reconnaître que ce soit une espèce d'uniforme de rang, vous savez. Ça encore, je veux bien y croire, mais... Ils ont chacun un nom génial, ils auraient dû accorder le nom au personnage, ça aurait été épique. Mais bon, c'est le choix des développeurs, malheureusement. Donc le jeu est bon, il a des bonnes choses, de mauvaises choses aussi. Raté. Dommage. Dégage. Oh joli. Ah bah blablabla, ouais, tu vas me laisser te taper. Boum. Flac. Non. Crac. Là. Ça prendra. J'aurais bien récupéré mon couteau cependant. Donc ici nous avons deux ferrailles, une pièce et une carrosserie. Alors, on a l'élément de projet. Nettoyeur 2 sur 2, voyez, on les a eu. Parfait. Deux ferrailles, on en a une là et on en a une à côté. Ah, il y en a un qui me... Hop, là, il y en a un qui me laisse quelque chose, ça m'intéresse, hop, non rien d'intéressant, dommage. Et voici la carrosserie, bah elle est stylée. Des charges explorées, mais je la voyais pas cette carrosserie là dans le jeu. Oh, ah il y a plusieurs endroits pour débloquer les carrosseries. Ce qui fait que du coup, ah bah non c'est la carrosserie que j'ai déjà, c'est celle-ci. Je suis trop bête, c'est celle-ci. Et du coup, en fait, comme je peux choisir au début, bah, je peux la débloquer aussi dans le jeu. Elle me rapporte de la ferraille. D'accord. Ok. D'accord. Bon, bah pourquoi pas. On va remettre celle-là, du coup. Hop là. On y retourne. Alors, oula, oui, c'est vrai. Faisons tout de même un minimum attention. Ah, elle est belle. Ah, j'aime. Et on va ici maintenant. On va même passer par là directement. On va couper à travers champ. She flies. Regardez là, là, elle va le faire là. Oh, je suis vexé.
Ouais, il a fait demi-tour. Putain, il a fait demi-tour pour moi, quoi, le sac. Ah non, c'est bon. Je croyais. Bon. On progresse. On a atteint la vitesse de pointe du véhicule. Ok, salut les mecs. Black. Ça c'était fun. Alors ils ont un petit. J'aimerais essayer d'avoir le... Ah non. Hop les. Bah alors t'as chaud. Boum. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Une ferraille et une pièce, y'a pas grand-chose. Hein. Hop, une ferraille. On a 4000 de ferraille. Ah bah attendez, y'a quelque chose à faire là. 1400, poids très lourd. Alors. J'ai un doute. Oui, regardez, ça donne ça, mais ça fait vraiment balèze quoi. Attendez, ce qu'on peut faire, c'est aller voir les archanges. Les archanges en question. Et voir si on peut pas, par exemple. Vous voyez, par exemple, celle-là. Ah oui, mais il va me manquer juste la... La couleur, ouais, il faut que je tue le couillu. Hop. 4 pièces manquantes, voilà, par exemple, celle-là. Ah, d'accord. 600. Là, j'ai pas ce qu'il faut. Là, j'ai ce qu'il faut. Donc, je peux pas la faire, celle-là. Celle-là, je peux la faire là. Je peux la faire là. Et je peux la faire là. Oh. Bah, écoutez, on va la faire. On va changer d'archange. Hop. Voilà. Et on a une nouvelle archange. Construire. On a la voleuse d'âme. Qui n'a pratiquement rien en accélération, je viens de le voir maintenant. Ici on a tout ce qu'il faut sauf... Ouais, sauf la mort, ouais d'accord. On va partir sur celle-là, c'est pas grave. Hop. Et la pièce ferrailleur qui doit être dans ce dans cette petite bicoque. Voilà. Hop, bah on va partir sur notre archange, c'est cool. Ça montre qu'on évolue un petit peu dans le jeu. Bah où est-ce qu'est la caisse? J'entends des bruits bizarres. J'entends des bruits bizarres et j'aime pas ça. Un instant. Voilà, re, chers amis, je crois que j'avais des gens qui me parlaient sur Origin. Bon. Alors. Alors, voilà, on y est. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller ici. On a 4 étoiles, on a 8, alors, 8 ferrailles, 3 emblèmes et une relique. C'est parti. Oh là là, il y a un manque. Bon, on va pas prendre une archange, je crois. On va mettre toutes les pièces max qu'on a. On possède. Celle-ci. Ici, au niveau du blindage, on a ça aussi. Voilà, on a celui-là. Pourquoi pas. Au niveau du puissant moteur, on a celui-là. On va le mettre. Au niveau de ça, on peut avoir celui-là. On va le mettre. Et on peut pas le débloquer encore pour l'instant. Au niveau des pneus, comment dire. On va mettre ceux-là, parce que regardez, ils ont de l'adhérence globale. Ça, ça me plaît, l'adhérence globale. Hop. Suspension, on va mettre ça. Nitro, on n'a toujours pas le max. Jante. ...1800 pour les dégâts de broyage, mais j'en fais pas tant que ça du broyage. Donc je vais mettre ceux-là pour l'instant.
Hop, ça je les ai pas, j'en veux pas, à vrai dire. Apparemment ça bousille pas mes performances, donc ça peut être cool. Par contre ça bousille complètement le style, le charisme de la voiture. On peut en mettre du tout. Au niveau du snipe, on est très bien comme on est. Et on va rester comme ça. Voilà. On verra bien. Maintenant, advienne que pourra. On y va. L'objectif, c'est rentrer là-dedans, chers amis. Donc on va prendre le grappin tout de suite, je pense, parce qu'on va en chier. Maintenant, on économise. Hop. On économise maintenant le... la nitro. Ah, il y a un point de... d'info avant. Un inforoute. Faux route, je suis trop con. Ah putain. Oula. Hey Lemmy, tu aimes ça manger des patates? Elle est souffrante? Ah bon? Wow, je suis désolé pour ton lit. On parle? On parle. Torboyo, celui qui prend pan ses victimes avec leur propre trip. Ouais, c'est lui, je l'ai vu dérouiller des Warboys une fois. Le seul qui a réussi à lui faire du mal a dû se jeter sur lui comme un furieux. Faut être sacrément costaud pour s'en prendre à lui. D'accord, intéressant. D'accord, faut être en furie pour qu'il apprécie pas. Bon, c'est une idée. Monte l'escalier à droite pour atteindre le tube de lance-flammes. Se préparer pour des combats intenses, prendre les armes des ennemis vaincus. D'accord. Ok, des voitures qui sont apparues juste ici. Hop les. Tu veux te la mettre ou pas? Eh ben non. Plaf! Voilà, ça c'est fait, une bonne chose de faite. Par contre, t'as rayé ma voiture, sale con. Réservoir presque vide. Mais c'est pas ma voiture ça. Bon, c'est pas grave. Ah d'accord, ils me sont rentrés dans le cul en fait pendant que j'étais en train... D'accord. Bah ceci explique cela, chers amis. Par contre, j'ai cru voir un snipe de loin. Hop. Hop. Pas d'autres snipers. Ok, donc j'ai des brûleurs ici, des brûleurs là. Apparemment, il y a une échelle sur le côté. Non, mais freine, mon dieu. Mais qu'il est con. Non, roule sur toi, roule-toi dans la neige, voilà. Ramène la voiture s'il te plaît. Bon, j'ai pété les brûleurs, tu répares, hein. Voilà. Je crois... Non, c'est pas une femme. J'ai cru que c'était une femme aussi, mais non. Attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier avec le snipe parce que ça m'intrigue. Ce serait la première femme que je vois, en fait, vraiment... vraiment lacéré dans le jeu, ce qui m'intrigue à vrai dire. Alors, hop. Droite, il me semble. Non, gauche. Non plus. Hop. C'est une femme ou un homme? C'est un homme, clairement. Hop, j'aimerais remonter dans la voiture, s'il te plaît. Bon, c'est bon, et pas exagérer non plus. Ah, je ne peux pas la tirer. D'accord, ok, pourquoi pas. C'est parti, alors. Hop les. On est dedans, effectivement.
de l'eau dès le début. Oula. Ça, c'est pas bon. What? Oh. Bon, bah voilà. Vous voyez, je demandais à avoir un truc un peu plus mieux au niveau du commandement des caïds. Bah, je crois que j'ai obtenu ce que je voulais. Ah, venez les mecs, je vous attends moi. Bien joué. Hop les. Hop les. Oh non. Voilà. Bon. La prochaine vague, elle arrive quand? Tu peux mieux faire, non? Allez. Je suis sûr que tu peux mieux faire. Ah, bien joué. Non, tu ne mourras pas, toi. Punition sur un, je déteste les jaunes. Boum. Punition sur un. Oh. Ah putain, la cam en plus elle a zoomé pour parce que j'étais sur le point de faire un. Oh, je l'ai paré celui-là. Boum, dégage. Crac! Voilà! Bon, alors je vais tenter un truc. Indisponible, ok. Bam! Ferme-la! Aïe! Aïe! Boum! Oh, bouffe la mûre! Bouffe la mûre! Aïe! Dégage, dégage! Dégage! Oh. Dégage, je te dis. Voilà, ça c'est fait. Bon, tu les envoies tes mecs ou pas? J'attends. Ça commence à être un petit peu long. Boum. Aïe. Non, raté. Non, tu me lâches. Oh, t'es le dernier. Pauvre de toi. Crac. Bon. Ah, ça y est. Tu te décides. Attends bien. Pauvre mec. S'habiller comme ça, t'as pas être très, très sympathique tous les matins. Hop les. Aïe, c'est rapide.
Oups. Bon, mais il a tapé un de ses potes. Aïe, mais dégage. J'ai testé les jaunes, nom de Dieu. C'est pas lui que je voulais viser. Dégage. Dégage. Bam, bim, bum, bom, bem. Aïe, ça, ça fait mal aussi. Ah, mais à chaque fois, mais... En fait, il y a un coup du mode fureur. Oh, oh, genre. Raté. Putain. Ah mais non, mais je teste que tu fais ça. Bam. Oh mais genre, il le fait de plus en plus vite en plus. Bois, 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 bois. Oh putain, j'ai pas une gourde complète. Oh putain, il me gonfle à faire ça. Allez! Dégage! Il me gonfle! Non! Oh putain! Non, j'aurais dû y arriver! C'est faux! C'est entièrement faux! Comment il a pu me faire autant de dégâts d'un seul coup? J'avais encore des points de vie! Ah! Salut! What? Mais faites-moi pop encore plus loin et encore plus... Vous auriez au moins pu me faire passer les... Oh, je me retape la cinématique. Ah non, il redescend. Ça y est, il descend. Allez, je suis chaud, vas-y. Raté. Hop les. Bon alors ça c'est pute. Dégage. Boum. 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 Ah mais non, j'y ai pensé cette fois-ci. Raté. Dégage, 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 dégage. Putain, non, je l'ai faite l'esquive en plus, vous l'avez tous vu. Eh bien. Raté. Dégage. Raté. Eh, ramène ton cul, t'es lent. Alors, t'es long. Oh, joli. Pleine face, celle-là. Ça lui a pas fait tant de dégâts que ça. Le beach slap. Non, j'y crois pas, j'ai failli me bouffer un beach slap. Tu vas pas me faire ça, quand même. Dégage. Ah, faut que je la somme d'abord. Okay.
Ah, j'arrive pas. Aïe. Mais tu vas te bouffer le beach slap. Mais putain, mais Blacky se retourne en ce moment, en mode je me téléporte. Mais alors? Me dis pas que t'as bugué complètement. Allez, ramène ton cul. C'est bon, on l'a eu. Boum, boum, boum. Mange mon pistolet. Ah, mon fusil à canoncier. À quadruple canoncier. Bon, un terrain des épreuves fait. Enfin, le terrain des épreuves est fait. C'est con parce qu'il est vachement bien celui-là. Donc, une relique, trois emblèmes et 8 ferrailles. On va aller chercher ça très vite, chers amis, parce que l'épisode commence à être très très long. Ouh là là, couleur de carrosserie débloquée. Après rouge. Tellement sexy l'après rouge. Allez, ouvre. Merci. Papapin, papapin. Ah, c'était la sortie. Fait chier, c'est pas la bonne. Ils sont pas pendus par leur trip, ils sont pendus à leur chaîne. Alors. Une relique, trois emblèmes, 8 ferrailles. Et on se dépêche, Marcus. Hop. Un emblème. Plus que 2. Plus que 7 ferrailles. D'accord, il y a une échelle. On y va. Ok, je vois le truc. L'emblème est là-bas. Ok, je vais chercher ce qu'il y a au-dessus quand même avant. Alors, je vois une ferraille. Deux ferrailles. Alors, intentionnellement, je ne chope pas les munitions, vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Et je l'ai vu ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Du métal. J'ai retrouvé cette photo récemment, je ne me souviens pas du nom du groupe, mais je sais que mes oreilles ont sifflé pendant un mois. On rigolait quand les gens disaient le rock est mort, pourtant aujourd'hui ça doit être vrai, il est mort comme tout le reste. Oh. Eh ben non. Et la ferraille est ici. Sauf que, chers amis. Ouh, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est censé ouvrir? Alors là, je suis curieux. Appelez. Oh, fais pas genre. Ça m'a ouvert en bas, d'accord. Fais pas genre, je te dis. Un petit peu de ferraille ici. 6. 7. Et 8, chers amis. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc, vous retrouvez le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite, si vous le souhaitez, à cliquer dans le lien du descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je vous en remercie. Quant à moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à plus et à demain pour un nouvel épisode de Mad Max. Salut les gens. Hop, moi je me TP chez JIT. J'ai pas pensé à faire bon, on les fera tant pis.